la machinerie du déplacement avive les pensées, droit devant soi, ou même en le voyant. Chemin familier. Faire à tâtons le tour de sa prison. Longer la rive. Hésiter, puis s'égarer. S'asseoir sur un muret bas. Demeurer là, prostré et rêveur. Je regarde fixement cette flaque incendiée. L'atelier est une matrice où incube des forces. C'est le règne du désordre et des petits arrangements, du doute fondateur et des alliances obscures. Dans un creuset protéiforme, des projets s'amalgament. Le travail est à l'œuvre en trituration lente. Claude Monet, en son jardin, s'éprend la nuit d'un tableau idéal. Sur le ruisseau, un petit pont japonise, lune d'eau très serrée, comme une niche de poussin d'albinos, engloutie dans des plaques de bronze, des feuilles sombres et luisantes soutiennent ces floraisons touchées de blancheur sidérale. J'écrivais à l'encre sympathique des mots d'amour sur des rubans et du papier et des cryptes, ce flot de messages codés. Aller et retour en un patient dialogue. Alors, je ne serai plus seul à contempler les astres. Alors, je ne serai plus seul à contempler les astres.